Voilà, donc cette question, elle est très importante parce que une observation d'une pupille blanche ne doit jamais, jamais être banalisée. L'origine de cette pupille blanche peut être, disons, malformative, elle peut être infectieuse, elle peut être accidentelle, mais elle peut aussi avoir une origine cancéreuse. Et c'est d'ailleurs le seul cancer de l'enfant qui est reconnaissable précisément par une pupille blanche, et il doit motiver une consultation sans délai chez le spécialiste.